Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à la rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, le pasteur Chris, présenté par la vérité de l'Évangile ce samedi 6 février 2021. Le thème de ce jour, c'est « Vos mains sont bénies » et le verset d'ouverture tiré de 1 Corinthiens 6, verset 15, qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. » Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Marc 16, verset 18. Parce que vos mains ne sont pas ordinaires. Ce sont les mains de Jésus. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos pieds sont les pieds de Christ. Vos yeux sont les yeux de Christ. Il marche, parle, voit et bénit à travers vous. Alléluia. Lorsque les chrétiens disent « Mes mains sont bénies », je me suis souvent demandé s'ils comprenaient l'implication de leurs paroles et la puissance de la vérité qu'ils professent. La raison pour laquelle vos mains sont bénies, la raison pour laquelle vos mains sont bénies, c'est parce que ce sont les mains de Jésus et il a fait de vous une bénédiction. Ainsi, vos mains sont une extension de vous. De vous, la bénédiction, parce que vous êtes l'extension de Christ. Alléluia. Par conséquent, apprenez à utiliser vos mains. Il y a la puissance de la victoire à travers vos mains. Il y a une abondante effusion de la puissance divine lorsque vous étendez ou levez vos mains dans la prière et dans l'adoration. Il se produit la même chose lorsque vous étendez en direction d'une situation que vous voulez changer ou de quelque chose ou quelqu'un que vous voulez bénir. Par exemple, s'il y a quelque chose qui a été endommagé dans votre maison ou s'il y a une situation dans votre vie que vous voulez changer avec votre bouche et vos mains, vous pouvez tout changer. La Bible dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Actes 5, verset 12. En étendant vos mains, l'espoir sera restauré, les fardeaux seront ôtés. Les maladies et les maux seront guéris. Les destinées seront restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Utilisez vos mains aujourd'hui par la foi et voyez les miracles se produire. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ta puissance en moi. Tu m'as imprégné de capacité divine pour guérir, délivrer, ôter les fardeaux et faire prospérer les gens. Je suis un paquet de solutions pour mon monde. Merci pour ta grâce à l'œuvre en moi pour bénir et édifier les autres au nom de Jésus.
Amen. Pour l'étude approfondie, on va lire Exode 17, versets 11 à 13, Luc 4, versets 40-41, Marc 16, versets 17 à 18. À la lecture de la Bible en un an, on va lire Matthieu 25, le verset 31 à 46, et Exode 31. La lecture de la Bible en deux ans, on va lire Matthieu 12, verset 39 à 50, et Genèse 37. Merci pour votre participation. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, et si vous n'avez pas encore fait le choix d'avoir Jésus dans votre vie, c'est le moment de faire cette prière avec moi. Dites du plus profond de votre cœur ceci: cher Père, aujourd'hui je fais la décision de t'appartenir. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ma vie à partir de maintenant. Je te donne ma vie. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu à partir de maintenant, car c'est Christ qui vit en moi. Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière et bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes bénis. Une fois encore, merci et passez une bonne journée. À la prochaine.